Bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre. On est aujourd'hui à Santiago Bernabéu pour suivre une fois de plus un classico entre le Real et le Barça. Pierre, on va avoir un grand match, Hervé. Hein. Ouais. En tout cas, c'est quand même un événement footballistique qui est très rarement décevant en termes de qualité. Alors, j'en profite pour répondre à un tweetos qui me demande pourquoi on voit le drapeau anglais sur l'écusson du Barça. La croix de Saint-Georges, sur l'écusson? Oui, regarde, en haut de l'écusson, en forme de marmite, là, en fait, il y a une partie du drapeau de la ville, et Saint-Georges est le patron de Barcelone. Ok, d'accord, mais c'est un Suisse qui l'a créé, par contre, hein, le Barça, je crois. Voilà, tout ça est limpide. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. Thibaut Courtois sera dans les buts. Dani Carvajal en défense avec à ses côtés Marcelo. Luka Modric sera associé à Toni Kroos au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'un seul attaquant devant. Ouais, un seul, hélas. Ah, c'est une faute, bien sûr, logiquement signalée par l'arbitre. Ah bien, les choses n'iront pas très bien, hein, ce début de match. Ouais, déjà un premier carton jaune. Courtois qui fait l'arrêt. Le gardien qui était très attentif sur cette frappe de loin. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Elle n'était pas facile à capter, cette balle. Le gardien était bien attentif. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Arthur. Sergio Busquets. De Jong. Sergi Roberto. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Bien perdu par le Barça. Casemiro. Karim Benzema. Benzema. Luka Modric. Toni Kroos. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Ces images, on voit bien qu'on était vraiment tout près du but. Un corner joué en deux temps. C'est un centre pour Benzema. Et Piqué qui dégage ce ballon. Vinicius Junior. Carvajal. Gareth Bale. Il est bien placé, peut centrer. Il peut venir. Ouais, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Jordi Alba. Ballon bien capté par Courtois. Arthur. Il est dépossédé du ballon. Il est redescendu pour jouer ce ballon. Karim Benzema, il a raison. Bientôt la pause. Toujours pas de but pour le Barça jusqu'à présent. Pas de but encaissé non plus. Griezmann bien pressé.
Et le ballon qui est sorti des limites du jeu. Casemiro. Luka Modric. Benzema. Karim Benzema. Kroos. Oh, et c'est ouvert un boulevard. Attends, je gardien dans ce face-à-face. Qu'est-ce que c'est bien joué de sa part. Il a bien fait. Les supporters qui verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Oh, le gardien sur la trajectoire. La faute de Raphaël Varane, coup franc. C'est un carton jaune pour Raphaël Varane. On voit cette intervention qui n'a pas trop plu à l'arbitre. Excès d'engagement pour l'arbitre, ça fera donc coup franc. Sergio Roberto, Sergio Busquets. Avec ces chiffres, on s'explique mieux l'absence de but dans ce match. On voit que peu d'occasions et il n'y a aucune équipe pour dominer l'autre. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein. Le jeu, c'était pas là. Sergio Ramos. Casemiro. Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand, 1m74, il n'est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Il est dans la surface, attention! Un coup franc pour le FC Barcelone. Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Griezmann. Antoine Griezmann. Qui a été l'un des acteurs majeurs de la victoire française lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Oui, il a joué un rôle prépondérant. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Pierre, ce score reflète assez bien la physionomie de la première période, non? C'est vrai, il n'y a rien à dire là-dessus. Les détails vont avoir leur importance en seconde période, comme souvent. Hein. Début de la seconde période, coup d'envoi donné par le Barça. Bien défendu, et le ballon qui sort en touche. Sergio Ramos. Kroos. Benzema. Vinicius Junior. Ah, ça commande bien, ça circule bien, ça fait courir l'adversaire. Pour qui ce centre? Jordi Alba, hein, qui va donner un petit peu d'air avec ce dégagement. Sergio Busquets. De Jong. Sergio Roberto. Un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi. Une Messi. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe magnifique! Une frappe d'une puissance absolument exceptionnelle et le gardien est obligé de s'incliner. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Cette frappe lourde avec ce superbe ralenti, là, on en profite pleinement. Le FC Barcelone qui mène maintenant dans ce match. On a bien donné encore une fois. Donne sur l'aile à Bale. Carvajal.
L'équipe à l'extérieur qui se décide à faire monter le défenseur central. Oui, l'entraîneur a certainement une grosse idée derrière la tête. Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. À la surface, il y a du monde. Ouais, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Marcelo. Karim Benzema. La passe lobée à destination de Gareth Bale. Bale qui centre. Et finalement, Gérard Piqué qui éloigne le danger. Avec De Jong. Clément Lenglet. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du sang neuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Messi, ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Sergio Busquets. Arthur. Ouais, bien joué le défenseur. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ouais, c'est trop tard, tout le monde est revenu à son poste. Casemiro. Il y va tout seul. Et le drapeau qui s'est levé. J'aimerais bien revoir ça. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Luis Suarez, El Pistolero, l'un de ses surnoms, il appelle Dracula aussi, certains. Oui, enfin, vu le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière, on pourrait plutôt l'appeler El Mitrailleto. Hein. Il a cherché le point de pénalty sur... Ouh, c'était moyen. Il a bien fait de passer par là, lui. Heureusement qu'il est intervenu à temps, sinon l'action se terminait par un but. Bien joué dans l'intervalle, Toni Kroos, c'est bien vu. Hein. La position de hors-jeu pour Karim Benzema. Le Barça qui a déjà une avance d'un but dans cette rencontre, mais qui continue. Luis Suarez. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ambiance des grands jours à Santiago Bernabéu, avec le public madrilène qui pousse. Oui, qui pousse pour voir le Real égaliser dans ces dernières minutes. Ah, bien vu, mais mal dosé, ça va aller jusqu'au gardien. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Raphaël Varane, c'est dégagé. Real Madrid qui va pousser pour égaliser, c'est évident. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, dommage, ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque. Allez, 3 minutes de temps additionnel indiqué. Toni Kroos. Pas intéressant pour les joueurs du Real. Ce sera peut-être le dernier s'ils veulent égaliser. Benzema. Modric. Oh, le bon ballon pour Modric. Quel arrêt! Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel! Un dernier espoir d'égalisation peut-être avec ce corner. Le corner de Toni Kroos, bien frappé. Le danger qui s'éloigne. Voilà, on n'ira pas plus loin. C'est fini, l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Un entraîneur qui peut être satisfait, notamment de la performance de sa défense. Pierre, je voudrais qu'on revienne rapidement sur le match de Léo Messi. Comment tu l'as trouvé, Pierre ? Très bon match pour lui. Hein. Il a su inscrire le but décisif et il a même vu un de ses ballons être envoyé par le poteau. Incontestablement, l'un des grands artisans de cette victoire.